est difficile de qualifier les couleurs de la pourriture, tant celle-ci, en transformant le vivant, lui donne des teintes variées, nuancées et même inédites. Si l'on peut parfois employer des termes courants de vert, bleu, noir, blanc ou même blanc-crème, on peut aussi avoir besoin des termes rares ou même en créer de spécifiques. Il est indispensable d'évoquer la matière, si présente dans le cas de la pourriture, pour enfin distinguer un glauque poudré d'un gris laineux ou un noir guenille d'un noir bijou. De trouver les bons mots pour ne plus jamais confondre un blanc ouat, candida ou muguet, pour ne pas mélanger un rouge carrosserie et un rouge jelly et un rouge visqueux. Le mycélium est le plus souvent transparent ou brun. Les couleurs des moisissures sont principalement liées à leur spore. Et ces couleurs indiquent les différents états des organismes vivants. Pour s'assurer qu'une nourriture est comestible, nous la regardons. Nous associons certaines couleurs à un danger. À juste titre, leurs pigments sont toxiques pour les cellules végétales et animales. Le doré du staphylocoque, le bleu-vert des aliments avariés, ou le noir de la mélanine signalent ainsi la virulence des moisissures et des bactéries. Et ce n'est pas par simple volonté de nuire. Ces pigments sont le mécanisme de défense des micro-organismes. Ils peuvent les protéger des défenses immunitaires de leurs hôtes. Et ils peuvent aussi provoquer des inflammations. Les pigments nous donnent donc des informations. Certains d'entre eux nous disent même « mange-moi ». L'industrie agroalimentaire toute puissante de nos jours utilise notamment l'oranger, couleur attractive du point de vue alimentaire. Grâce à un pigment appelé astaxanthine, produit en abondance par une moisissure, on peut en effet renforcer la couleur rose-orangée des saumons et des crustacés d'aquaculture pour leur donner un air plus appétissant. Les couleurs des moisissures et des bactéries ont un sens, et bien souvent même une histoire. La couleur glauque, par exemple, désigne cette nuance de bleu-vert-gris laiteux, en botanique un vert très précis, une couleur magnifique, mais si souvent utilisée pour qualifier les eaux stagnantes et troubles des mares, qu'elle en a pris le sens figuré de malsain et sordide. Quant au rouge, il a une place très particulière. La bactérie Serratia marcescens, qui produit un pigment rouge, fait partie des actinomycètes, littéralement champignons à rayons, car elle fabrique des filaments. Et lorsqu'un aliment est contaminé par cette bactérie, il se couvre d'un exudat rouge qui ressemble à des gouttes de sang. Au Moyen-Âge, des hosties ont été contaminées par la bactérie. On a alors cru qu'elles étaient ensanglantées à cause d'un phénomène occulte, puisqu'inexpliqué. Depuis 1930, on nomme ce pigment rouge prodigiosine, puisqu'il est responsable d'un phénomène prodigieux, bien que, comme souvent, l'ignorance en ait fait un sinistre meurtrier.